Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Tales of Zestiria. On se retrouve non loin de Marlind, dans les forêts alentours où nous avons débarrassé le monde d'un Hélion maléfique, mais on a constaté que, que Sauray était pas si bien que ça. Et en fait, je regardais à tout hasard en fait la bibliothèque, et donc dans la bibliothèque il y a le synopsis, hein, le résumé du scénario. Et si on regarde donc le dernier chapitre où nous sommes, la maladie tapis dans les ténèbres, si on regarde la dernière page, vous pouvez voir la souris qui se déplace, vous pouvez voir ici là, mais contrairement à ses habitudes, Sauray fait une erreur qui met en danger Mikleo et Alisha. Il s'avère que comme Mikleo s'en était aperçu, Sauray ne voit plus de l'œil droit, car la résonance de son écuyère n'est pas assez élevée. Sauray a essayé de le cacher pour le bien d'Alisha, mais voilà son secret dévoilé. Et donc moi je n'avais pas bien compris cet aspect du scénario la dernière fois, où on avait bien vu effectivement que lors du combat, il y avait un truc qui s'était passé, mais j'avais pas compris quoi. Donc en fait, on a carrément notre vision qui s'altère, et à cause de Alisha qui n'est pas une écuyère assez forte, c'est une humaine, ce n'est pas un séraphin, et donc c'est un élément de faiblesse de notre groupe. En tout cas, sachez que j'ai traversé hors caméra la zone, hein, tout simplement, pour vous éviter plein de combats assez répétitifs. À la fin de l'épisode précédent, j'avais mis le niveau du jeu, la difficulté du jeu en normal, et pour l'instant ça va. Donc on va pouvoir reprendre notre chemin. Il faut qu'on retrouve les mercenaires que nous avions embauchés pour surveiller Marlind pendant notre absence, et vérifier que tout va bien du coup à Marlind, maintenant que normalement la malédiction a été complètement levée et que la ville devrait pouvoir s'en sortir. Ah bah voilà! Là, la ville a l'air d'être plus sympa. On n'a plus la petite espèce de brume, je sais pas quoi, noire. Oh non, ils ont remis le bruit de fond horrible! Grâce à Nif, nous avons de bonnes réserves de médicaments. Eh ouais! Nous avons enfin tout ce qu'il nous faut. Je pense que nous pouvons nous débrouiller maintenant. Pourtant, toi et ton père êtes si pointilleux. Je n'ai jamais vu de voyous aussi difficile à satisfaire. Attendez, non mais... Ce bruit de foule est juste horrible. Ah, silence. Est-ce que dans les options... on n'a pas les options du son, là? Volume des sons. Hop, je confirme les paramètres. Ah, merci pour mes oreilles. Hey there, Shepherd's Pie. As you can see, everything here is hunky dory. Thanks. I knew you could handle it. How'd it go? We managed. Good to hear it. Then I guess it's time for us to pack up and ship on out. Eh oui. D'aller ailleurs. Back onto duty, and we've got a new job lined up already. Ah, où ça? Shall we take a break at the inn for a spell? Encore? Sure. Ah là là, l'auberge. Ça va devenir un running gag, hein, quand même, dans ce jeu. Allez, allons à l'auberge. Je suis content que tu ailles mieux, Alcar. Papa disait qu'il était ravi que le gentil monsieur nous ait aidés. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? La présence des mercenaires est bonne pour les affaires. Peut-être que nous allons pouvoir mettre un peu d'argent de côté maintenant. Combien de fois je vais devoir vous le dire? Bien sûr que vous ne devez pas plus fort. Vous ne devenez pas plus fort si vous vous contentez de fusionner vos armes au hasard. Ah, vous pensez vous aller si vous torpillez vos meilleures capacités bonus? Réfléchissez et arrangez vos capacités de base de manière à créer et à conserver ces capacités bonus. Tout est question de planification. D'abord, remplissez votre page de capacités. Ensuite, cumulez vos capacités, compris? Ok. Alors, justement, fusionner. J'avais dit que je le ferais hors caméra il y a plusieurs épisodes de ça, et en fait, j'ai pas eu l'occasion de revenir ici hors caméra. Donc, je l'ai pas fait, mais il faudra que je le fasse. Les armes en mithril sont les meilleures au monde, mais maintenant que mon père est mort, maîtriser le mithril pour forger des armes n'est qu'un rêve lointain. Si mes frères et moi unissons nos forces, peut-être que nous pourrions en produire. Enfin, c'était pas sûr dans sa voix, en tout cas. Bon! Pile quand on se disait qu'on pouvait enfin ramener grand-père à la maison pour qu'il se rétablisse.
Beaucoup de toits ont été endommagés par les pluies récentes. Nous devons acheter de nouvelles planches de l'herbe pour le chaume et du vernis hydrofuge en grande quantité. Que diriez-vous de réduire un peu vos prix en étant donné que nous allons tout payer d'un coup? Eh ouais, il négocie, Les affaires reprennent. Business is business. Et alors, l'auberge. Bah, il n'y a plus personne à l'auberge. Il nous faut du whisky, du brandy, de la liqueur de menthe et quoi d'autre? Ah oui, du vin pour les funérailles. Ah merde, c'était pas joyeux. C'était pas joyeux. La ville manque de certaines choses, mais les prix n'ont pas augmenté pour l'instant. C'est l'occasion de monter de nouvelles affaires, les fondations d'une belle entreprise. C'est de faire les choses avec constance, sur le long terme. Ah bah si, l'auberge est revenue. L'aubergiste est revenu. Je suis désolé de m'être laissé aller ces derniers temps. J'irai voir l'aubergiste pour m'excuser après ça. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Allez, on va prendre un risotto au fromage. C'est le truc qui coûtait le plus cher. Mais on a les moyens. Let's just take it easy for today. And tomorrow, we'll be leaving Marland? Yeah, that's the idea. Why? Mm-hmm. What? Why? Yeah? A seraph? So you are with this one. Why aren't you staying in Marland? What is your problem? Silence, brat. I'm asking the shepherd. Why are you throwing away the name you've earned for yourself from saving this town? Why throw yourself away like this? Ah, y a peut-être d'autres coins à sauver. And I have more to learn elsewhere. That's all. How odd. You too. Pourquoi elle se cache elle alors que lui se cache pas? J'aimerais beaucoup en savoir plus sur eux. Mais oui. I don't know. But this means there are other humans who dwell with Seraphim besides me. Though they're assassins. Well, I say the hell with them. The more important issue is where we're headed next. Thought about it? I have. The Rolands Empire. Splendid idea. Hellions and ruins alike know no borders, after all. Trail. Eh oui, s'il y a des tensions politiques, s'il y a presque des guerres entre Rolands et l'Empire, il va nous falloir y aller, mais ça va être tendu pour la princesse Alisha. Let us give our respects to Rohan and the others. Right, good thinking. Elle est pas très contente de partir, elle. Alisha? Bon, elle veut pas en dire plus pour l'instant. On va aller voir Rohan. Et on en saura plus, j'imagine. Mais oui. Onze galdes. Sorbet aux fruits. Miam miam. L'aubergiste dit qu'il reste 10 enterrements à célébrer pour les victimes de la peste. On peut dire que ça fait partie du processus de rétablissement, mais ça n'en est pas moins dur à gérer. Il va encore se faire... Voilà. Classique maintenant. Little by little, people are coming back to worship the great tree. You can trust I will do my part as well. That's good. We can take our leave in peace. Huh? Aww, no, y'all are running out on us? You take care, Attack. I'm staying behind. Huh? What? After all, we need to find someone to properly give tribute to Rohan.
Alicia, you don't mean... And I have to report to Lady Lake about what happened in Marland. Things with the Council have just settled down, and if you're with me, you'll just get wrapped up in it again. I would love to continue our travels, but I... Well... Non mais non. Thank you so much, Alicia. Same to you. For everything, Sarai. Nah. Get a room, you two. It's not like you won't see each other again. I shall do my best to work toward a Highland with no malevolence. And I'll keep chasing my dream. Mais non. Safe travels. Y'all come back now. You hear? Ah mais non. Ah mais je suis tout triste. Alicia elle est partie. Mais elle voulait pas aller dans l'empire de Roland. Mais je pensais pas qu'elle nous quitterait. Oh. Je pense qu'elle est affectée aussi par le fait que on soit. Bah tout à l'heure, enfin on est blessé quoi, et du coup, enfin on est blessé, on est affaibli et c'est en partie à cause d'elle. I have a message. It's urgent. Hey, hang in there. The Empire, the Roland's Empire is attacking. Ah bah voilà. What? So the war has begun. Please, pass the warning to the people of Marland. I have to get to the capital. You're injured. It's too dangerous. There's no time to waste. Est-ce que c'est vraiment à nous de nous en occuper? Be careful. Don't do anything reckless. Thank you. On l'a soigné. We'd better go tell everyone. All right, you bums, playtime's over. Let's go show those frou-frous in the capital what we're made of. I'm going. Yeah, I couldn't live with myself if we let these folks just run out to get slaughtered. You mustn't! If the Shepherd enters the heart of battle, the camp he extends his help to will surely be victorious. C'est pas à nous de s'en mêler. So what, we just sit quietly and watch? Yep, it's up to the Earth Dwellers to figure out some sort of compromise with each other. But with the Shepherd's power, I know I could save people. You might save the people of Highland, yes. However... The people of Roland's wouldn't be so lucky is the flip side. Correct. That's the nature of war. War knows neither justice nor malice. The power of the Shepherd greatly shapes the world itself. Were you to enter the war, there's no telling how warped it could become. All right. I do want Lucas and his group to take refuge along with the villagers. Will that be okay? Yes. Then let's talk to Lucas at once. They sounded like they were getting ready to leave any second now. Okay. Oui, parce que nous, notre boulot en tant que berger, c'est nous occuper des Hélions et de la malveillance qui s'empare du monde, mais pas de gérer les guerres entre les humains. C'est quoi, lui? J'ai entendu dire que le sol des ruines de Bohort était jonché de gemmes brillantes. Je ne sais pas si elles valent quelque chose, cela dit difficile de dire si ça vaut le coup d'aller jusque là-bas pour les récupérer. Un shiny, pretty stone. Does make me curious. It might be some sort of artifact. Les ruines de Bohort. C'est où les ruines de Bohort? On verra plus tard. Lucas, I'd really like you to seek refuge along with the villagers. Like hell. The battlefield is where we earn our living. Besides, we just helped rebuild your town here, no?
You really want to see Rowlands tear it to pieces? I'm just worried about all of you. Please. Fine. We'll pull back beyond the Griflet River. It's a damn shame. We're just gonna abandon this town right when it was getting its punch back? We both know what's really important. I can tell I'm no match for this herder of sheep. Change your plans, you bums! We're taking the townsfolk to safety, up north, across the Griflet River. Get your preparations in order! Thank you. You'd better get ready yourself. The bridge still isn't fully restored just yet. We'll probably have to go ahead and set up camp by the riverbanks. You got it. We're good on our end. What say you, Shepard? Ready to head for the river? Allez, c'est parti, let's go. I am Commander General Landon of the Highland Army. Is the Shepherd with you? That's me. You, huh? Does your business with the Shepherd really require so many troops, General Landon? You're that sellsword Lucas of the Shrub Boys, aren't you? Just as well. You listen up, too. I bring word of Lady Alicia. On suspicion of using the Shepherd to foment discord against the state, as well as assisting the Rowlands Empire with its invasion, Lady Alicia has been detained. That's nonsense! Alicia would never do such a thing! It is not an arrest, Shepard. Merely an interrogation. Well, this certainly stings to high heaven. But if the Shepard were, say, to wield his power to deliver victory to our troops, it would likely assuage any suspicions. Évidemment. Why you? Yeah. Saray, let us do as he says. We probably don't have a choice. If Alicia were to die at their hands. Yes. We all know Saray would blame himself for it. And if that were to happen, even someone like Saray could become corrupted by malevolence. Tout de suite. If the Shepherd is corrupted by malevolence, it will guide the world to ruin. Le bad guy. Faster than even war could accomplish. The sooner we end this, the better. We can make this work. After all, you've got us with you. If I fight, do I have your guarantee Alicia will be released? If you bring us victory, then yes. We're coming too. Sorry, but it just ain't in our blood to turn tail and run. We sellswords have built up too much pride in too many battles for that. Very well. But I'm in charge here. You had better not forget that. So then, Shepard, I'll be waiting on the battlefield. Et là, c'est mauvais, là. Cheer up, buddy. With the woodsman on the job, the Shepherd won't even have to lift a finger. Saray, please hold your head up high. I told you, didn't I? You've got us with you. Don't get all stupid gung-ho about this war business, okay? Just do what you need to do to get this crap over with. Thank you, everyone. We just heard. That's awful. Can't you just sit out this war? They'll use you for all you're worth, and when you're done, they'll still probably kill Lady Alicia. I'm going. Really? We all know that the charges against Lady Alicia are a load of hog's wallop. We're heading out to Lady Lake to petition them directly. That's right. Surely the council will not be able to ignore the voices of so many citizens. So please, don't give up hope! Just promise you'll come back. We'll be waiting for you, gentle shepherd. Thanks, everyone. I'll be back! I'll be back.
Ah là 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 là, on va devoir se corrompre. Bah, il y avait pas une bébête là? Ah si. Let's do this. Blazing demons, come forth. Yeah. Let's get them. Hop 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 hop. Eh ben, on leur met la misère à ceux-là. Eh oui, mais du coup, on n'est plus que deux. Comme il n'y a plus qu'un seul humain, il peut y avoir qu'un séraphin et l'humain. Il n'y a plus Alicia pour nous aider. Exact. Bon, allez, passons le pont et retournons. La reconstruction actuelle n'est que temporaire. Faites bien attention, vous posez les pieds. Ah bah voilà, enfin on voit comment ça s'est passé. Ils ont bien mis des planches entre les rochers que j'avais fait poser sur le sol. Ok. Ok. Je suis venu aussi vite que possible en espérant gagner de l'argent facilement. Et regardez ce qui arrive. On dirait qu'il ne me reste plus qu'à faire affaire avec l'armée ou faire faillite. Que faire? Si ça ne dure pas trop, je pourrais rester chez mon frère et sa femme. Mais si ça s'éternise... Eh oui. Et dire que finalement ce n'est pas la peste mais une guerre qui nous a forcés à quitter la ville. Je me demande quand nous reverrons cet endroit. Pas de soucis, il n'y en a pas pour longtemps, ce n'est pas bon de trop s'inquiéter. Donc du coup, retrouver London au bassin de Glavian. Et c'est où le bassin? Eh oui. C'est plutôt vers le sud, donc il faut que je repasse de l'autre côté en fait. J'étais pas au bon endroit. Du coup, il faut que nous allions vers l'empire de Rolance. Rolance, hein, c'est ça? Ou Rolande? Je ne sais déjà plus. Rolance. Je sais pas, je sais plus si c'est un empire ou pas. Hop! Avec la petite musique inquiétante. Allez, un poulpe. Focus, guys. Trois poulpes. On leur fait vachement plus de dégâts que aux créatures qui étaient dans la forêt autour de Marlin. Elles n'ont pas le même niveau, ça se sent. Hop, des marmottes, des poulpes et des aigles. Allez. Hop. C'est parti. On enchaîne. Non, bah l'oiseau il veut pas venir, et bah laissons-le. Du coup, voilà, on est arrivé, c'est juste là. Bassin de Glavend. Et là, c'est la guerre. Fire! Fire! Bah purée. Victory to the Roland Empire. Charge! Show them what we're made of. Montrez-leur de quoi nous sommes faits! That must be it. Do not lose sight of what you believe to be true and good in your heart. You don't need to worry so much about me. I'll be fine. Ouais, mais on est limite parce que Alicia, c'est notre point faible. Et là, on peut passer. Wouhou! Et du coup, on va sauvegarder. L'invasion de Rolance a été si soudaine que la troisième et la quatrième section sont parties en avant. Le général Landon rejoindra bientôt l'attaque. Nous nous demandons...
Nous demandons aux forces de la capitale de venir immédiatement en renfort. Oh, un petit nomin. Portail. Tu as de l'équipement pour accueillir de nouvelles capacités. Dégâts après étourdissement, plus 20%. Allez, on va le mettre. Hop. So you came, Shepard. And Lucas? Setting up an ambush on the right flank. Come back here, Shepard. You will be leading the charge front and center with the... Hey, Shepard, obey my orders. Have you forgotten that this is my battlefield? What I have to do does not change. No matter whose battlefield it is. What can one brat like him even hope to accomplish? Mm-hmm. Have the Chancellors gone daft? Come, we're going too. Sympa leur défense. Allez, alors les mercenaires ont été envoyés vers le nord pour attaquer par le flanc, c'est ça? Ils n'étaient pas bien nombreux, ils vont vraiment pouvoir servir à quelque chose? Eh, une tortueuse. Alors, acheter. Promo sur l'épée d'ambre, tu m'étonnes, elle est pas terrible. Ah, habit d'ambre. Eh ben, on va en acheter. Pour Layla. Hop. Gelée de pommes, je peux pas en acheter. Tout ça, c'est moins bien. Ok. Et du coup, on peut fusionner des choses. Mais je sais jamais quoi fusionner, en fait. Épée d'ambre. Bah, avec une épée d'ambre, ça me fera plus 1. Voilà. Là, je peux rien fusionner. Là non plus. Et du coup... Hop. Épée de calcite. Je vais fusionner. Ça me coûte un peu d'argent, mais... Je vais voir après si c'est plus fort au final que ce que j'ai. Voilà, j'ai fusionné tout ce que je pouvais. Qu'est-ce qui me fait d'autre aussi? Parler. The combat a l'air zé risqué. J'espère qu'on se reverra zé en survie. Oui, d'accord. Alors, équipement pour les armes. Est-ce qu'elle est plus forte? En fait, ça change pas grand-chose. Ah bah si, c'est que je l'ai déjà en fait, je suis bête. Alors, ça, ça augmente mon attaque, ça diminue par contre ma précision, et ça diminue mes JP. Uh-huh. Mais elle est pas mal quand même. Allez, on va la prendre. Du coup, la pile en bambou. Oh là là, ça fait tout baisser, ça sert à rien. L'ombrelle de calcite, là j'ai rien. Et le bâton, là j'ai le bâton d'en plus 1. Alors ça augmente mon protection et ma magie. Ça fait baisser mon attaque directe. Et ça augmente mes JP. Allez, on va le prendre. Voilà, c'est pas trop mal, je pense. Du coup, il me dit retrouver les mercenaires. Ok, en embuscade sur le flanc droit. On va quand même finir d'explorer par ici. Qu'est-ce qu'il me dit là? Berger, nous avons appris que vous nous prêteriez main forte pendant l'assaut avec le général. Ne faites rien d'inconsidéré, d'accord? Ne t'inquiète. C'est pas dans mon style de faire des choses inconsidérées. Allez, on sauvegarde. J'aime beaucoup la musique. Ah, il y a un petit coffre ici. Le coffre est verrouillé. Oh! Nous venons tout juste de reconstituer nos rangs, alors nous devrions avoir assez de nourriture pour tenir un moment. Oui, nous avons mal évalué le nombre de nos adversaires, alors nous sommes en pénurie de flèches et de projectiles de pierre. Je pense que nous ne pourrons pas nous réapprovisionner.
Il va falloir compter sur la puissance physique et le corps à corps. Tu m'étonnes avec toutes les flèches qu'ils ont balancées. Allez, c'est parti. Let's go. Rejoindre les mercenaires. Loup sauvage. Leave them alone and they'll just call for more. Be gone. Flames are striking. How's this? Oh là, mais ils ont l'air costauds. I got you. I'll give my all. I can't lose. I'll give my all. It's time. All right. Phoenix, it's time. Too close. Hop, hop, hop. J'ai plus assez de magie. Well done, everyone. Ils sont assez costauds, eux. Ils résistent bien. On va essayer de les éviter, comme disait. Eh bah, c'est pas terrible en fait. C'est pas terrible. On est obligé de se les faire en fait. Allez. Allez, on va faire une estocade sonic. Non, ça, il apparaît le salaud. Hop, hop, hop. Hop, on a récupéré des CS. Hop. Risotto au fromage. Ah oui, on a eu l'effet du risotto au fromage que j'avais acheté dans l'auberge. Allez, les mercenaires sont ici. We should be able to spot Lucas's team from the top of that cliff. Yeah, the enemy will never notice Saray. The mercenaries' flank attack was a failure. Fall back to rejoin the main forces. Hurry while there's still time. What? Ah, c'est un échec. You're just going to abandon Lucas's team? If we don't take advantage of their sacrifice, more troops are gonna die out there. But they're still fighting out there. Welcome to war, kid. Let's go. He's just doing a soldier's duty. It seems cruel, but you can't hold it against him. Dang it. Ouah, ça c'est du combat. All this killing, it's pointless. The air is overflowing with people's anger and hatred. That's why it feels hard to breathe. Battlefields are the cauldrons where malevolence is brewed. Et Lucas, il est en train de se battre. There. Going. You bet. I'm counting on you guys. Évidemment, on y va. Luzrov Roulet. Ah ouais. Armatisation. Ça va leur faire peur. Ah oui, mais lui, ouais. Don't worry, I'll go easy on you. Attention. Hey, come on, move. Get out of my way. Yeah, bring on. No escape. It's over. Hop, hop, hop. Solid rock, I got you. Chain bang. Earth dragon bang. I won't lose. Oh, il m'a donné un coup. Allez. Boum, boum. C'est bizarre, on se bat pas comme d'habitude. Parce que là, on se bat pas contre des élus, on se bat contre des humains, en fait. On prend des dégâts, mais pour l'instant... Pour l'instant, ça va. Est-ce que je peux tenter l'armatisation? Non, je ne peux pas. Saray, slip up and you're done for. I know. Oh dear. Saray sure looks angry. I can't really blame him. Putain, mais il y en a combien à tuer là? Et il en reste combien là? Il en reste 4. Ah mais il y en a qui repop à chaque fois là. Too close.
Je crois que j'étais obligé de faire ça en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais y'en a combien? Allez! Eh bien, qu'est-ce que c'était que ce combat? J'ai pas tout compris là. How could he do this much with just a sword? What the hell? Something blocked me. A monster. What's going on here? The Shepherd! Step aside. Archers! This can't be! Is this the Shepherd's true power? Lucas, let's go. Yeah. Retreat! Troops of Rawlins! The hell? There's a voice in my head! Who the hell are you? I won't ask again! Retreat! Ouais, carrément. It's a demon! Highland has demons on their side. Run, run! C'est ce qui avait été dit. Petit à petit, le berger va s'attirer la haine du peuple qu'il doit sauver. I'm really glad you're safe. Saray, they'll understand someday. That's right. Thanks. Even if it is just a pat on the back. Gonna cry? Nope. We're not finished yet. C'est pas le rôle du berger normalement. It's over. Not yet. We still have to quell the Hellions that were created here. Saray. Well, I guess I'll stick with you just this once. Thank you, Mikleo. Ok, ok. Mais n'empêche que y a... Ah! Focus, guys! Ah! Be on alert for the axe beaks jump attacks, even though it can't fly. I got you! Sword flare! Strike! Oh là, mais j'ai pris pas mal de dégâts là.
Hop, hop, esquive, esquive. Hop, hop, hop. Attention. Putain, mais c'est quoi ces créatures là? On voit qu'on est en mode normal, hein. C'est devenu un petit peu plus tendu. Et pourquoi? Pourquoi je me déplace plus comme je veux? C'est bizarre. Allez, on va les finir, tant pis. Pourquoi je fais plus de... Ah, parce que l'esquive, ça me coûte du bleu, en fait. Oui, d'accord, ok, j'ai compris. Tout le monde va bien? Oui, 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 tout le monde va bien. Ok, et bah écoutez, les amis, c'est au milieu de ce champ de ruines, de ce champ de bataille... Ah non, qu'on va se laisser des hommes lézards, quoi, carrément. Let our guard down and it's over. I got you. Select rock. Select thrust. Allez. I got you. Strike. Healing power. How's this? Hop. Comment j'ai paré son coup à lui? Ils sont stylés. Dragon Fang. It's over. Yeah. Ready? Allez, je pars. Boum. Comme ça, je récupère des CS et je peux lui en mettre plein la gueule. Ok, je commence. Ouais. Allez. Allez. On part, non, il attaque pas ce con. J'étais trop loin. Allez, voilà. Donc, merci d'arrêter de m'attaquer, s'il vous plaît. J'espère que cet épisode vous a plu et on continuera très très prochainement cette difficile partie de l'histoire où nous sommes un petit peu en contradiction avec nos idéaux dans cette guerre. À très très bientôt, merci beaucoup de m'avoir suivi. Salut, salut !